suis super contente de faire cette vidéo. C'est le Pumpkin Newton Challenge et je suis trop contente parce que l'année dernière je l'ai fait toute seule dans mon coin. Et là cette année je fais une vidéo, voilà, je montre ma palle et je pourrais faire un point lecture et vous montrer mes livres que j'ai aimés à la fin de toutes ces lectures. Je suis super contente, super excitée. J'ai vraiment envie cette année, l'année dernière j'avais pas réussi à tout lire et cette année j'ai vraiment envie de réussir à lire tous les livres que j'ai mis dans ces catégories. Donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour aller à la vidéo de Guimov qui explique quand même tout correctement, hein, parce que moi je suis pas une pro pour expliquer correctement, surtout quand je mélange les mots. Donc je vais commencer de suite à vous présenter les catégories et les livres que j'ai choisis. Alors pour la première catégorie, automne frissonnant, la première c'est Je suis Médée, vieux crocodile. Il faut lire un livre trahison, thriller, policier, horreur, épouvante. Alors pour cette catégorie là, j'ai mis La librairie des ombres de Mike Birkengard et Si la lecture pouvait tuer. Donc ce livre-là, je l'ai dans ma bibliothèque depuis, je ne sais pas, ça fait très très longtemps que je l'ai. Et donc voilà, enfin il y a beaucoup de livres que ça fait très longtemps que j'ai et qu'il faut que je me décide à lire. Donc ça a rentré dans le thème parce que c'est un policier, donc c'était très bien. Voilà, je n'ai pas cherché plus, je suis allée sur Livradict, j'ai tapé policier et il y avait ce livre-là dans les policiers que j'ai en ma possession. Donc j'ai pris celui-là, en plus c'est la librairie sur les librairies, ben, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Dès qu'il y a un livre qui parle de livres, d'autres livres, ben, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, donc ça se passe à Copenhague et c'est tout ce que j'en sais. Je veux pas en savoir plus, je vais m'y plonger dedans et je suis super contente. Pour la deuxième, c'est Les Chimères de la Sylve Rouge. Il faut lire un gothique, ou vampire ou créature de la lune. Et là, je ne l'ai pas en ma possession parce que je pense m'acheter la BD Merci qui sort au mois de septembre. Dont la couverture m'avait fait complètement craquer. Voilà, donc ça me faisait envie. Sur la... Sur le descriptif, il y a écrit un Dracula au féminin. Donc Dracula, c'est une créature de la nuit, hein, on va dire ça comme ça. Si jamais je ne me le procure pas, j'ai le Bestiaire de l'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Donc ça ferait l'affaire aussi parce que bon, c'est quand même pas mal de créatures. Et voilà, il y a les images de quelques créatures. C'est super bien fait. C'est super joli. Et je me dis pourquoi pas. Mon fils me l'a fait acheter parce que lui, il voulait le lire. Moi, ça ne me faisait pas plus envie que ça que de lire ce livre, mais ça rentre pile poil dans le thème, donc pourquoi pas. Et puis après tout, là en le regardant, je vois que c'est vraiment très 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 beau. Je sais pas si ça va faire clair pour vous, mais c'est vraiment des très belles images. Donc je me dis que pourquoi pas lire ce livre là parce que je suis pas sûre, en même temps je suis pas sûre de pouvoir me procurer Merci. Donc voilà, si j'arrive pas à me procurer la BD, ben j'aurai quand même un livre pour cette catégorie là ensuite la troisième c'est Les Supplices de la Belladone. Donc il faut lire un livre tout simplement avec une couverture noire. Donc au départ j'avais mis le livre Phobos tome 1 de Victor Dixen. Voilà, donc qui se passe dans l'espace et qui est de Victor Dixen. Donc j'avais vraiment envie de le lire. Et les pages sont tordues donc je me les remets comme il faut. Et du coup voilà, ça me faisait très très envie, il y a du noir un peu partout. Mais en jetant comme ça ma bibliothèque, hier soir je suis tombée... voilà, sur le livre le plus noir qui est, Le Livre des Morts de Glenn Cooper. Donc voilà, il est plus que noir, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, la couverture elle rentre pile poil dans le thème. Et puis je me dis que c'est encore plus dans le thème de l'automne, de Halloween, de l'effrayant, Le Livre des Morts, hein. Tout est dans le titre. Voilà, en 4 années de critique littéraire, je n'ai jamais lu un livre de la construction aussi éblouissante. Donc ça c'est un commentaire de Antonio Dorico. Voilà, donc a priori il a l'air pas mal. Donc c'est vrai que je ne fais pas à chaque fois, je vous dis pas que chaque fois trop il parle parce que comme d'hab je m'y plonge sans relire la quatrième de couverture. Ensuite pour automne, douceur de vivre. La première catégorie c'est Il fait un temps épouvantail. Je dois avouer que cette catégorie là j'adore, un temps épouvantail, il fallait vraiment quand même... Ça paraît évident en fait, il fait un temps épouvantail. Ça paraît vraiment évident, mais j'aime beaucoup le nom de cette catégorie-là. Donc là, il faut un livre sur le thème d'automne et d'Halloween.
Donc je sais pas pourquoi, moi je voulais m'acheter la BD Yaga. Et je sais pas pourquoi cette BD Yaga, c'est Baba Yaga, et ça me fait penser à Halloween et à l'automne. Voilà, Baba Yaga est une vieille sorcière. Donc c'est peut-être pour ça fait penser à Halloween. Voilà, ça marche, je suis dans le thème. Enfin, dès que j'ai eu cette catégorie-là, de suite j'ai dit je mets cette BD-là. Voilà, j'ai même pas cherché à en comprendre. Je vous la montre pas parce qu'en fait je l'ai pas encore en ma possession. Mais voilà, ça, je l'ai resté BD là. De suite, ça m'a sauté dessus comme ça. Et j'ai même pas réfléchi à une seconde. Donc je l'ai mis là-dedans sans problème. Ensuite, siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les sols. Il faut lire un livre d'anthropomorphisme, enfance, feel good et cocooning. Donc moi, enfance, voilà, il y a des monstres hôtels et les chasseurs de trésors de Karina Rosenfeld aux éditions Gulf Stream. Bon, excusez-moi, je bafouille encore. Et voilà, c'est un livre jeunesse. Donc, oh bah tiens, je vois qu'il y a mon fils qui devait, un de mes fils qui devait être en train de le lire, parce qu'il y a un marque-page au milieu. Donc, ben, il va sûrement me le... je vais sûrement devoir lui rendre entre deux lectures, mais voilà. Ah, mais il y en a même deux. D'accord, donc il y a deux de mes fils qui sont en train de le lire. Donc, ça fera trois personnes qui seront en train de le lire. Donc, c'est pas le sujet de la vidéo, mais bon. Monstre Hôtel, voilà. Donc, c'est un livre jeunesse. Il faut lire un livre cocooning, donc ça rend tout à fait. Voilà, j'aime bien les petits livres de jeunesse. Quand j'ai envie de me faire du bien, je prends un petit livre jeunesse comme ça et je pense que ça va aller très très bien. Ça a l'air tout mimi, tout beau, malgré qu'il y ait des monstres, ça a l'air tout mimi. Voilà. Voilà pour cette catégorie. Farnir ton assiette, sinon pas de pissette. Alors celle-là, j'ai pas encore recherché la référence parce qu'elle a dit que voilà, il y avait une référence là-dessus. J'ai pas encore cherché la référence. Ça me fait quand même très envie de chercher la référence parce que c'est quand même une phrase. Pas mal, hein, farnir ton assiette sinon pas de pissette. Enfin, moi je sais pas, vraiment j'aimerais bien savoir d'où elle a sorti ça. Donc là, il faut lire un livre, Créatures légendaires, petit peuple, contes, légendes, mythes, fantastiques. Donc là, je prie Harry Potter tome 4 de J.K. Rowling aux éditions Folio et La Coupe de Feu. Donc, il est quand même pas. Ah oui, il y a presque 800 pages à celui-là. Comparé aux trois premiers tomes, il est beaucoup plus gros. Mais voilà, je me dis que fantastique, créatures légendaires, il y a beaucoup de créatures dedans. En général, dans Harry Potter, il y a des petits personnages, il y a des personnages, des créatures aussi, le monde de petit peuple. Il y a un professeur que c'est. Il y a un professeur qui est. Ah, mais je vais pas y arriver. Il y a un nain, voilà. Et du coup, voilà, ça fait un petit peuple. Donc, je pense que ça rentre tout à fait dedans. Alors ensuite, on va passer à de l'anglais. La catégorie s'appelle A Window to the Past. Donc là, il faut lire un livre où il y a une sorcier, sorcière, SFFF ou pas, et magie. Ou magie. Donc là, j'ai pris Les sorcières de l'épouvanteur de Joseph Delaney à Bayard Jeunesse. Voilà, celui-là, les sorcières, je voulais le lire. C'est pour ça que je voulais pas trop mettre le bestiaire de l'épouvanteur parce que je me suis dit ça fait beaucoup. Puis bon, ben, finalement, hein, voilà, c'est des petits livres en plus de 200 pages, je crois. Voilà, 200, un peu plus de 200 pages. Donc c'est des petits livres qui se lisent vite en général, surtout sur l'épouvanteur. Ça se lit très très vite. J'ai lu les 16, 15 ou 16, je crois que c'est 16 tomes de l'épouvanteur que j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, c'était vraiment une très bonne série. Saga, et je me dis que lire ça peut me remettre un peu, revoir un peu des personnages de l'histoire, ça peut être pas mal. Et ensuite, pour Automne Enchanteuse, ah, pour Automne Enchanteresse, et la première catégorie c'est Les rêves d'Aurore. Donc, faut lire un livre LGBT+, LGBTQ. Ou militantisme. Et donc là, j'avais vu un livre sorti septembre, c'est Que s'arrête de battre mon cœur, que mon cœur batte, enfin quelque chose comme ça, je vous mettrai l'image en sortie, mais en fait il sort que en e-book. Et moi je ne lis pas en e-book, donc ça ne va pas le faire, je ne vais pas pouvoir me l'acheter. Et du coup, ben, j'étais embêtée parce que j'ai aucun livre qui rentre dans cette catégorie-là.
Et j'ai cherché, après je sais qu'il y a beaucoup de monde qui lit Heartstopper, qui a l'air un manga très bien. Donc je me dis peut-être que je peux acheter ce livre, mais ça me tente pas plus que ça, parce que moi les mangas c'est pas du tout mon délire. Enfin il y a des mangas qui me font envie, mais c'est vrai que celui-là il me fait pas trop envie. J'ai regardé un peu les dessins et les dessins me plaisent pas du tout. Donc du coup là-dessus j'étais un peu embêtée. Donc j'étais un petit peu embêtée et du coup en cherchant, en regardant un peu, en fouinant dans ma pile à lire, parce que j'ai quand même 300 livres, je me suis dit il y a bien un livre qui doit faire l'affaire. Et je me suis dit La force d'aimer de Martin Luther King, édition Casterman. Enfin bon, c'est quand même un personnage qui s'est beaucoup battu pour les autres. Si je ne me trompe pas, c'est un pasteur, hein, un pasteur noir qui s'est beaucoup battu. Et donc voilà, je pense que c'est un personnage voilà, militantisme, lui et militantisme. Je sais pas si le livre, je sais pas si dans le livre est vraiment militantisme, mais en tout cas, celui, Martin Luther King, lui, est quelqu'un de militantisme. Donc je me dis que ça rentre dans le thème. Après, c'est vrai que c'est pas tout à fait. C'est peut-être pas tout à fait ça, mais voilà. Le personnage en lui-même est un personnage militantisme, donc je pense que ça fait. Un personnage militant, pas un personnage militantisme. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est Sarah Bernhardt, Monstre sacré. Donc là, c'est un livre dramaturgie, pièce de théâtre ou de l'art. Donc là, j'ai regardé pièce de théâtre et pièce de théâtre, et ben Pagnol. Qui dit Pagnol? Ben, j'ai regardé, j'en ai plusieurs hein, de Pagnol avec en pièce de théâtre, mais c'est Topaz qui m'a fait le plus envie. Bon, malheureusement, j'ai un vieux livre que j'ai récupéré à ma maman. Voilà, il est en pièces détachées. Il est vraiment fatigué, mais c'est pas grave, ça n'empêchera pas de le lire. Hein, il est quand même en entier. J'ai vérifié qu'il y ait toutes les pages quand même. Mais il y a toutes les pages, donc je vais pouvoir le lire quand même. Mais c'est vrai que avoir un livre en pièces détachées, c'est quand même pas mal. Je m'attendais pas à ça, surtout que ma maman en prenait soin de ses livres, elle aimait beaucoup les livres. Mais voilà, ça m'a beaucoup étonnée de retrouver un livre comme ça chez elle. Mais après, peut-être qu'elle l'avait récupéré déjà comme ça. Hein. Donc voilà, je pars toujours dans des histoires qui n'en ont rien à. Catastrophique. Donc voilà, donc Topaz de Pagnol. Donc Pagnol, en général, Pagnol, c'est plus l'été. C'est pas trop automne, mais bon, c'est quand même une pièce de théâtre, ça rentre dans le thème. Et puis un peu de fraîcheur et d'été durant l'automne frais, ça peut faire du bien aussi, ça donne un peu de chaleur. Voilà. Ensuite, il y a Les écailles de mille usines. Lire un livre sur le féminisme, la transformation et la métamorphose. Donc, Les écailles de mille usines, en fait, j'ai pris le titre tout simplement. Et j'ai regardé les livres. Un livre que mon fils, d'ailleurs, un de mes fils m'avait choisi pour le mois de septembre, Mélusine et Philémon. Donc, je dis, ça rentre tout à fait dedans. C'est super. L'agneau. L'anneau du diable, l'ordre de l'épée de Corinne de Valais, Vailly. Mon Dieu. Donc c'est un tome 1, c'est les éditions France Loisirs. J'ai le deuxième tome là-haut. Je sais même pas combien il y a de tomes dedans. Je ne sais pas du tout. Et en fait voilà, j'ai tout simplement pris parce que dans le titre de saga c'est Mélusine et Philémon. Donc il y a Mélusine. Donc ça rentrait dans la catégorie les écailles de Mélusine. Hein, voilà. Cherchez pas à comprendre, je me simplifie toujours la vie. Et pour la dernière, c'est Nausicaa de la Vallée du Vent. C'est un livre naturing, écologique, nature, pas. Qu'est-ce que j'ai écrit? Post-apocalyptique. J'allais dire pâturage. Post-apocalyptique, j'écris bien, hein, c'est super. Donc post-apocalyptique, et là, dans celui-là, ben, j'ai mis Horizon tome. Tome 3 et 4. Voilà, je me suis mis carrément les deux tomes, non, parce que je veux vraiment finir la saga avant la fin de l'année. Donc j'ai dit, allez, soyons fous, mettons les deux tomes. Voilà, tome 3 et 4. J'ai de Lysia Barrault aux éditions Inceptio. J'ai vraiment, vraiment envie d'enchaîner cette saga. J'ai vraiment envie, j'avais pas envie de les quitter. Puis je me suis dit, allez, on prend une petite pause, on va lire autre chose. Parce que sinon, après, tu vas pleurer parce que tu vas plus avoir tes personnages. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce personnage de. Je l'aime tellement que Xalia. J'aime beaucoup ce personnage de Xalia. J'adore vraiment, j'ai pas envie de la quitter. J'ai envie de rester avec elle.
D'un côté, j'ai vraiment envie de la finir cette année. D'un autre, je me dis, l'année prochaine, je fais comment? Je l'aurai plus. J'en aurai plus à lire. Mais bon, non, j'ai vraiment envie de lire ce livre, de l'enchaîner, parce que c'est vraiment une superbe découverte, une superbe lecture. Et que, en fait, depuis que j'ai dit, depuis que je me suis dit, lis autre chose entre l'automne 2 et le 3, eh bien, toutes les lectures que j'ai lues jusqu'à présent sont bof. Et je me dis que c'est parce que j'ai tellement envie de lire cela que du coup le reste je les trouve bof. Je pense que la première lecture que je vais faire du challenge d'ailleurs, ça sera le tome 3 d'Horizon. Parce que je pense que tant que je l'aurai pas lu, ben, les lectures elles vont être bof parce que j'ai vraiment vraiment envie de continuer à lire ce livre-là. Je suis en train de voir qu'il me reste un livre. Alors je l'ai mis dans quoi comme catégorie? Ah, c'est Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Fantôme du passé, historique classique, histoire de famille. Je l'ai sauté cette Esprit, es-tu là? Je l'ai sauté cette catégorie. Bon, ben voilà. Bon, Esprit, es-tu là? C'est d'un automne frissonnant. Mon ange gardien m'a sauvé de Dorothy Chitty. Voilà, j'ai vu ange gardien. Je me suis dit, bah, les anges, c'est plus ou moins des fantômes. Je sais pas si on peut les catégoriser comme fantômes, mais bon, c'est une célèbre médium britannique. Donc, quand t'es médium, tu vois des fantômes. Donc, on va dire que ça marche. Voilà. En même temps, j'ai regardé, j'ai pas trouvé de livre où j'ai des fantômes dedans. Au pire, je regarderai si je trouve autre chose qui rentre mieux dans la catégorie. Mais pour l'instant, j'ai mis ça parce que pour moi, les anges, c'est une médium, elle voit des fantômes, donc ça rentrait plus ou moins dedans. Donc voilà, je vous ai tout dit. Du coup, j'ai posé des livres un peu partout. Je me rends compte quand même, ça fait quand même de bons livres à lire, mais une bonne pile aussi. Je ne vais pas pouvoir tout porter pour vous montrer comment ça fait. Mais ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 plus la BD. Ah, la BD Yaga. 14. Et si je me procure la BD Merci, 15. Mais celle-là, je suis quand même pas sûre de me la procurer. Donc je dirais 14 livres. Donc 14 livres, ça se lit, hein, surtout que c'est de début septembre à fin novembre. Donc ça se lit en 3 mois. Ça devrait se lire. Ça fait 5 livres par mois. Je me dis que c'est faisable. Surtout qu'en ce moment, je lis. Là cet été, j'ai lu 10, 12. J'ai lu. C'est fatigant, hein. J'ai lu 10, 12 livres. Oh, mais mince! J'ai lu une dizaine de livres dans le mois de juillet, une dizaine de livres dans le mois d'août. Voilà. Oh, je me déprime, c'est une horreur. Donc, je me dis qu'en septembre, bon, en septembre, j'ai les allers-retours entre les activités des enfants, l'école et tout. Je vais peut-être. Ça va être un peu plus compliqué. C'est inverse. D'accord, ben, va mettre de l'eau si tu veux. Ça va peut-être être un peu plus compliqué. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon Pumpkin Autumn Challenge ou de bonnes lectures tout simplement si vous n'y participez pas. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous allez lire pour le challenge ou ce que vous allez lire durant le mois d'automne. Durant le mois d'automne. Celle-là, il faut aller la faire. Hein. Vraiment, celle-là, je ne l'ai jamais faite encore, mais il faut aller la faire. Durant la saison d'automne. Ça sera mieux, c'est une saison. Hein. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à bientôt.